Hey, what's up, ma Sileya, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière puisque c'est un concept que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite rétrospective de mon année 2023 en termes de manga. Je sais, je suis peut-être un petit peu en retard, mais bon, j'ai pas pu avoir le temps de faire cette vidéo avant, donc je pense que c'est le moment pour moi de la faire. Alors, je vous avoue, je vais pas vous mentir que Spotify m'a beaucoup inspiré pour faire ces vidéos et Webtoon aussi, puisqu'ils ont fait une sorte de petite rétrospective aussi pour leur plateforme. Donc, du coup, j'avais envie de faire un peu ce type de vidéo pour YouTube où on va du coup faire un peu une sorte de rétrospective de mon anime manga. Voilà, j'ai fait un peu mes catégories à moi. Ça va peut-être vous permettre à vous aussi de faire votre rétrospective de votre côté. Et ça aussi me permettre aussi de faire un peu un bilan de cette année 2023. Et à la fin, je vous donnerai un peu mes résolutions en termes de manga pour cette année 2024. Donc du coup, première catégorie, c'est le nombre de mangas que j'ai acheté en 2023. Je vous avoue que je me suis refait toutes mes vidéos achats manga que j'ai filmées, que j'ai postées sur cette chaîne. Heureusement que je les ai faites, cette vidéo, parce que ça m'a bien aidé pour pouvoir faire toute cette vidéo en fait. Et donc du coup, j'ai compté un nombre de 34 mangas achetés cette année. En vrai, comme j'ai pas trop les résultats pour 2022, je peux pas trop comparer avec 2022 parce que je sais pas trop si j'en ai acheté plus ou moins. Je me dis peut-être que j'ai acheté peut-être un petit peu plus, mais peut-être ça doit être léger, genre vraiment léger. Donc voilà. On verra avec 2024, du coup, la petite différence avec 2024. Je pourrais comparer du coup l'année prochaine quand je ferai ma vidéo rétrospective de cette année. Mais du coup, en 2023, j'ai acheté 34 tomes. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce que j'ai acheté plus de nouveautés ou de suites? Eh bien, avec beaucoup d'étonnement, eh bien, j'ai acheté plus de suites cette année. En fait, je ne sais pas si c'est si étonnant que ça. Mais bon, j'ai acheté 20 suites au total et 14 nouveautés. Donc quand je dis nouveautés, c'est pas forcément les nouveautés de 2023. J'en ai acheté, mais j'ai aussi acheté des nouveaux mangas, quoi, des nouvelles séries qui sont pas forcément sorties qu'en 2023. J'en ai noté 14, voilà. Et parmi les nouveautés, j'ai noté tout sur mon cahier. Parmi les nouveautés, on a Adieu Eri, le one shot Adieu Eri. On a le tome 1 de Talento Seven, le péché originel de ta copie. Telucan Boys, Solitaire, la Perfect Edition. On a Rooster Fighter, Cardcaptor Sakura, Clear Card Arc. On a les Fruits de Basket. Alors, c'est pas vraiment un achat. J'ai récupéré les 18 premiers tomes de Fruits de Basket. On a Strob Age. On a Pumpkin Knight. Ten à couper le souffle. Dreammaker. Aiwon. Et le voyage de Shuna. Voilà. Prochaine catégorie de cette rétrospective, mon genre favori en fonction de mes achats. Voilà, mes achats manga, les tomes que j'ai lus, j'ai essayé de voir quel était mon genre favori. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça, mais en regardant mes achats, eh bien, j'ai remarqué que j'avais acheté cette année beaucoup plus de shonen. Donc on peut dire qu'en 2023, mon genre favori, c'est le shonen. J'ai acheté au total 15 œuvres shonen, voilà. Et parmi celles-ci, on compte du coup, bah en fait j'ai noté, mais c'est genre juste à côté. En fait, j'alterne entre mon cahier et mon ordi, mais j'ai noté Adieu Eri, Talento Seven, Blue Lock, Le péché originel de ta copie, Dan Da Dan, Platinum End, City Hunter Rebirth, Soul Eater, la Perfect Edition, One Piece, Dragon Ball Super, Chainsaw Man, Death Note, Mission Yozakura Family, Dreammaker et Aiwon. Alors Aiwon, je sais pas vraiment c'est quelle catégorie. Moi j'ai mis dans le shonen, mais après il n'y a pas forcément écrit si c'est du shonen ou pas. Moi j'ai mis dans le shonen. Donc voilà. Et bien sûr, tout en restant focus sur mes achats et mes lectures. Lecture c'est un petit peu plus particulier puisqu'il y a peut-être des tomes que j'ai lus qui ont été achetés en 2022 et j'ai pas noté, mais globalement, en regardant mes achats et mes lectures, j'ai fait un sort de petit top 3 manga, voilà. En fait, ce top 3, c'est les œuvres que j'ai le plus achetées, lues en 2023. Et en première position, on retrouve Fruit Basket. Alors ça, c'est pas si étonnant vu que j'ai récupéré les 18 premiers tomes chez ma mamie. Donc j'ai beaucoup lu Fruit Basket, ça a été beaucoup plus facile pour moi de lire les tomes, forcément, vu que j'avais les 18 premiers tomes. Je crois que j'en ai lu. Alors attendez, parce que j'ai forcément écrit dans mon cahier, en voulant faire mes vidéos lecture de chaque mois là. J'ai lu
Au total, 6 tomes de fruits de basket. Donc, c'est en première position, en fait. Je sais pas si j'en avais lu plus. Mais en fait, comme je lis assez régulièrement en ce moment depuis que je les ai récupérés, je monte petit à petit. Là, je suis beaucoup plus loin dans Fruits de basket. Je vous dirai pas tout de suite où j'en suis. Mais j'ai lu 6 tomes de Fruits de basket en 2023. Et c'est du coup le manga qui est en numéro 1, position numéro 1, voilà. En deuxième position, on retrouve deux mangas qui sont ex aequo. J'ai lu tous les deux, ces deux séries, j'ai acheté et lu du coup 5 tomes l'année dernière. Et c'est Blue Lock et One Piece. Blue Lock, ça m'étonne pas parce que comme je vous l'ai souvent dit sur cette chaîne, je suis souvent à jour dans Blue Lock et dès qu'il y a une sortie, dès qu'il y a un tome qui sort, je l'achète automatiquement. Donc en vrai, ça m'étonne pas que Blue Lock soit dans ce top là. One Piece en soi, ça m'étonne pas non plus, parce que j'ai acheté du One Piece et j'ai lu One Piece, ça m'étonne pas trop, voilà. Et en troisième position, on retrouve Strop Age, j'ai acheté et lu du coup 4 tomes de cette série, voilà. Donc on peut dire avec ce top, j'allais dire qu'on pouvait dire qu'il y avait une petite majorité de shoujo, mais en fait j'ai oublié que la deuxième position est... on a deux shonen ex aequo, donc en fait c'est du shoujo et du shonen qu'on a dans le top 3. Après, c'est vrai que cette année, j'ai commencé à lire du scan et j'ai pas forcément regardé ce que j'ai lu sur manga.io en 2023, puisque je me suis mis en 2023 au scan grâce au Pass Culture, voilà. J'ai été assez maligne, entre guillemets, puisque j'ai activé mon pass fin 2022, genre 2 jours avant la fin, je crois, de mon Pass Culture. Et donc, du coup, toute l'année 2023, j'ai pu lire du scan, mais j'ai pas regardé en fait ce que j'ai lu, j'ai pas regardé les noms de tomes, etc. Donc là, vraiment, cette rétrospective est vraiment centrée sur le format papier. Peut-être qu'en 2024, du coup, je penserai à regarder un peu ce qui se passe du côté du scan. Après mon top 3, je vous propose de découvrir mon auteur favori, toujours selon mes achats manga, mes lectures de 2023. Et pareil, on a un ex aequo entre deux mangaka, puisque en fait, en faisant ce petit bilan, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de mangaka. Oui, certes, c'est vrai, beaucoup de mangaka, mais pas mal où, bah, en fait, il n'y avait qu'un seul manga que j'avais lu. Donc, on retrouve pour la catégorie mon auteur favori en selon mes achats et mes lectures. En ex aequo, c'est un ex aequo entre Tatsuki Fujimoto et Tsugumi Ohba. Donc, pour les deux, j'ai lu deux œuvres. Tatsuki Fujimoto, j'ai lu Aduhéri, son one-shot Aduhéri, et j'ai lu du Chainsaw Man. Et pour Tsugumi Ohba, j'ai lu Death Note et Platinum End. Maintenant, il est temps de vous révéler une nouvelle catégorie, la catégorie maison d'édition favori selon toujours mes mangas et mes lectures du mois. Et je vous avoue que pour cette catégorie, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est Kana qui a remporté, on dirait que je suis en train de faire un awards là. Mais c'est Kana qui se trouve être ma maison d'édition favori si on regarde mes achats et mes lectures de l'année 2023. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ma maison d'édition préférée. Mais si on regarde, comme j'ai dit, mes achats, eh bien j'ai acheté beaucoup plus chez Kana. J'en ai acheté 6 des séries, voilà. J'ai acheté Talento Seven, Asadora, Strob Age, Death Note, Mission Yozakura, Family et Tenf, à couper le souffle. Et si on veut aller un peu plus loin et qu'on veut voir un peu mon top 3 maisons d'édition, on retrouve en deuxième position Crunchyroll. En vrai, ça m'étonne pas trop. Avec Aduhéri, Dandadan, Chainsaw Man et Platinum End. Et en troisième position, on a un ex aequo avec Glénat, Kiyun et Pika. Mais du coup, du côté de Glénat, on a Chōjin X, One Piece, Dragon Ball Super. Chez Kiyun, on a Ranking of Kings, City Hunter Rebirth et Dreammaker. Et chez Pika, on a Blue Lock, logique. Le péché originel de ta copie et Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. J'avais fait en fait une catégorie aussi le manga le plus lu et le plus acheté, mais en soi c'est un peu dans le même délire que le top 3, mon top 3 manga. Mais ce que je m'étais dit c'est qu'en fait Fruit Basket est en première position et c'est clairement le manga que j'ai le plus lu, mais d'une certaine façon entre guillemets. Alors je sais pas si on peut dire que c'est un peu facile puisque je me suis procuré les 18 premiers tomes assez facilement, mais... D'un autre côté, si on regarde vraiment genre mes achats, achats, achats et pas genre ce que j'ai pris, bah c'est Blue Lock et One Piece qui sont en ex aequo. Maintenant, j'ai fait un peu une autre catégorie, c'est un peu une sorte de bilan et là ça va être plus être focus par rapport à ce que moi j'ai ressenti, à ce que moi j'ai aimé. C'est mes mangas 2023 que vraiment qui m'ont. Que j'ai. Ces coups de cœur, ce que j'ai trop aimé lire en 2023 ou
Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment mes mangas 2023. Je voulais faire une vidéo vraiment centrée sur ça, mais au final, j'ai pas eu le temps. Et franchement, je pense que maintenant qu'on est en février, au moment où je tourne et la vidéo sortira en février, ça va être un petit peu trop tard. Donc, je me suis dit j'allais tout commencer dans une seule et même vidéo. Et du coup, parmi vraiment mes petits coups de cœur, mes petits favoris de 2023, j'ai mis le péché originel de Takopi. Parce que c'est un manga qui m'a vraiment, genre, quand je l'ai lu, je sais que j'étais en mode oh! Alors, vraiment, ça m'a. Je sais pas, je suis passée par plusieurs états d'esprit. Et ce manga, j'ai vraiment, vraiment aimé les deux tomes. Et je me dis même que j'ai envie de les relire plus tard. Voilà, pourquoi pas les relire. Parce que c'est vraiment une histoire qui m'avait vraiment. J'ai adoré le péché originel de Takopi. Il m'a vraiment retourné. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, achat manga, si vous l'avez vu. Mon gros coup de cœur de 2023, je pense même que c'est vraiment mon gros coup de cœur de 2023 en entier, pas seulement genre fin de l'année, mais vraiment mon plus gros coup de cœur, c'est Dreammaker de Zillow. J'en ai parlé mais tellement de fois sur Instagram et un peu sur YouTube du coup. Mais vraiment, ce manga, j'ai tellement kiffé. Je pensais pas autant en fait. Parce que vraiment, la première chose qui m'avait attirée, c'était vraiment la couverture. Je connaissais pas l'histoire du tout. Après, j'ai lu le résumé bien sûr. J'ai lu le premier tome et une fois avoir fini le premier tome, je me suis dit, mais je sais que le tome 2 est sorti et je veux absolument le lire. Je ne peux pas, genre, continuer à acheter d'autres trucs sans acheter le tome 2 en priorité. C'était vraiment ma priorité. Ce que j'ai fait, j'ai acheté le tome 2, j'ai lu le tome 2 et ça a toujours été vraiment ce gros coup de cœur. C'est quand j'ai terminé le tome, je me suis dit, mais c'est incroyable Dreammaker. Vraiment, si vous n'avez pas lu Dreammaker, foncez. Genre, vraiment, je vous recommande pour l'histoire, les dessins qui sont juste incroyables. Allez lire Dreammaker s'il vous plaît, je vous ferai une vidéo découverte manga où je continuerai de vous en parler. Voilà, je n'arrêterai pas. Même quand le tome 3 sortira, eh bien, je continuerai d'en parler. Voilà, Dreammaker, pour moi, c'est vraiment un gros, gros coup de cœur. Donc, merci Zillow de nous avoir pondu cette histoire, parce que là, ce manga est incroyable. Vraiment, et merci Kiyun aussi. Voilà, je remercie tout le monde, voilà, qui est passé par là. Voilà, merci de nous avoir offert cette pépite qui est Dreammaker, c'est incroyable. Autre coup de cœur qui est en fait un one shot, c'est Telokan Boys. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'ai pas fait de découverte manga je crois, mais j'en avais déjà parlé, je vous avais déjà donné un petit peu mon avis sur ce one shot, et moi personnellement je l'avais beaucoup aimé. C'est une histoire, j'allais dire une histoire simple, bon en vrai ce qui se passe à l'intérieur, genre c'est pas des trucs de tous les jours non plus, quoique, bon bref voilà, c'est une histoire à la fois un peu simple, un peu, bon voilà, on suit je crois c'est des trentenaires. Voilà, qui vont faire quelque chose d'assez, enfin, c'est pas quelque chose qu'ils font au quotidien, voilà, ils vont faire une chose assez folle, on va dire, entre guillemets, pour aider un ancien camarade, voilà. Et j'avais beaucoup aimé ce one shot, en fait, j'avais beaucoup aimé l'histoire en soi aussi, j'avais beaucoup aimé l'histoire, les dessins aussi, c'est l'une des premières choses pour lesquelles j'avais pris ce manga. C'était pour les... Non, pour l'histoire d'abord, j'avais pris... Mais après les mangas, j'avais beaucoup aimé, j'aime trop ce style de dessin, voilà, les dessins dans Telokan Boys, les dessins dans Asadora aussi, j'aime beaucoup, voilà, donc du coup j'avais beaucoup apprécié ce manga et c'était un peu mon petit coup de cœur de l'année 2024, voilà, 2023. Ensuite, alors c'est un coup de cœur dans le sens où c'est, je reprends une série que j'ai énormément aimée quand j'étais petite. Voilà, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, enfin beaucoup, j'en ai parlé, voilà, j'avais fait une vidéo découverte manga, même si c'est vrai que j'ai eu que le premier tome, ben en fait j'ai trop aimé, c'était Essai Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, qui est la suite de Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura, c'est vraiment un de mes mangas préférés, tout simplement. J'ai tous les tomes chez moi, je les ai lus quand j'étais petite. Vraiment, c'était vraiment un gros coup de cœur quand j'étais petite. Et ça restera toujours un de mes mangas favoris. Donc le fait de reprendre Cardcaptor Sakura et d'avoir la suite, bah, j'ai énormément aimé en fait. Et le tome 1, je l'ai lu super rapidement. Donc il faut que j'achète la suite vraiment. Mais vraiment. Ensuite, c'est pas un manga que j'ai lu en format papier. Je l'ai lu en scan sur Manga.io. Ça doit être même l'un des premiers mangas que j'ai lu en scan sur Manga.io. Il s'agit de Old Boy, c'est un seinen en 4 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et l'histoire est vraiment cool. L'histoire est vraiment cool et j'ai vraiment beaucoup accroché sur ce manga que j'ai découvert du coup l'année dernière. Je crois que j'ai lu déjà les deux premiers tomes. Ça fait un petit moment que j'ai pas lu. Ça fait vraiment... C'est même plus un petit moment là, ce stade-là, ça fait un long moment que j'ai pas lu. Voilà. Je vais reprendre bien sûr quand j'aurai repris mon abonnement Manga.io, mais du coup j'avais beaucoup 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 aimé Old Boy, donc voilà, on va suivre un
un homme, je sais plus exactement quel âge il a, mais il va être enfermé pendant, je crois, 10 ans, si je dis pas de bêtises. Il ne sait pas pourquoi, il a été kidnappé et enfermé dans un endroit, voilà, un peu, une sorte de prison, un peu, où vraiment il est jamais sorti, on lui donnait à manger, il a jamais vu, on va dire, il a jamais vu l'extérieur pendant, je crois, il me semble que c'est 10 ans, si je dis pas de bêtises, et au moment où il va sortir, il va tout faire pour découvrir la vérité, pourquoi il a été kidnappé et envoyé dans cet endroit et on l'a enfermé pendant 10 ans. Pourquoi en fait? Il cherche des réponses et voilà. Et c'est vraiment, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi en 2023. J'ai beaucoup aimé Old Boy et je finirai forcément ce manga en 2024. Alors là, c'est un petit coup de cœur. C'est un manga qui est sorti du coup l'année dernière, fin 2023. Il s'agit de Flowers for Vincent qui est chez Nouvelle Hydre. Voilà, c'est un shoujo en deux tomes. La série est complète, elle est complète en deux tomes. J'ai lu en scan pareil sur manga.io et j'ai énormément aimé ce petit shoujo qui mélange à la fois romance et fantastique. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et voilà, c'est un petit coup de cœur de l'année 2023. Voilà. Et enfin, on finit avec mon petit chouchou. Franchement, je prends vraiment du plaisir à lire cette œuvre que j'ai récupérée du coup. Il s'agit de Fruit Basket. J'avais lu quand j'étais petite les premiers tomes, mais je crois que j'étais pas allée au-delà du tome 3 si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai vraiment pu me concentrer sur les tomes et les lire petit à petit. Et en fait, je les lis assez rapidement en soi, donc assez contente. Et c'est vraiment un pur bonheur de lire Fruit Basket. J'adore Fruit Basket. Ce shoujo est incroyable, vraiment. Et voilà, je suis trop contente, mais vraiment pourquoi j'étais pas plus concentrée quand j'étais petite, quand j'allais chez ma mamie? En fait, je pense que c'est surtout que comme. Bah, en fait, j'y allais assez souvent quand même, mais vous savez, il y a toujours cette petite période cette petite période où en fait, tu lis pas Fruit Basket, en fait. Ça fait un moment que tu l'as pas lu et tu sais plus trop vraiment où tu t'es arrêtée. Et bah, je pense pas que je lisais non plus assez régulièrement quand j'étais chez ma mamie. Je faisais plein, plein d'autres choses. Et je lisais pas forcément très souvent Fruit Basket, mais je sais que j'avais beaucoup aimé quand j'étais petite. Et là, le fait de revenir dans l'œuvre, de relire depuis le début et d'enchaîner les tomes, vraiment, j'adore Fruit Basket. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toru est tellement mignonne. Il y a tellement de personnages. En fait, c'est assez drôle parce que c'est toujours les mêmes personnages préférés. Voilà. Et il y en a un qui s'est rajouté d'ailleurs. Il y en a un qui s'est rajouté. Mais voilà, il y a bien sûr un personnage que je déteste. Vraiment. Mais je pense que je ferai une vidéo vraiment quand j'aurai fini Fruit Basket et que j'aurai bah, déjà quand j'aurai tous les tomes de Fruit Basket, parce qu'il y en a 23 je crois et là j'en ai 18. Et c'est un peu compliqué parce que c'est une série qui est en arrêt de commercialisation. On a eu une Perfect Edition qui est sortie, je ne sais plus quand, mais une Perfect Edition est sortie. Et du coup, ce que j'ai là, moi, actuellement dans ma mangathèque est en arrêt de commercialisation. J'ai les tomes simples en fait, les tomes simples quoi, en un tome du coup. Et je pense que je vais plus, bah en fait j'ai pas vraiment le choix, faut que je me tourne vers l'occasion pour pouvoir trouver les tomes. Donc j'espère que j'aurai tous les tomes avant la fin de 2024 s'il vous plaît. Je veux terminer Fruit Basket en 2024. J'espère que j'aurai tous les tomes, mais quand j'aurai tous les tomes et que j'aurai lu tous les tomes, je vous ferai une vidéo Fruit Basket, vraiment genre focus sur ça. Voilà. Bon, j'ai fini cette petite rétrospective. Il serait temps de passer à mes résolutions de 2024, puisque en faisant en prenant du recul sur mon année 2023 en termes de manga, il y a des petits trucs, je me suis rendu compte que, ah, il y a peut-être des choses à changer dans ma façon de consommer le manga. Voilà. Donc c'est vrai qu'en 2023, j'ai continué un peu mes petites. Pas bêtises, mais mes petites mauvaises entre guillemets habitudes qui est de m'éparpiller et d'acheter plein de nouveautés par-ci, par-là, et au final de pas assez me concentrer sur les séries que j'ai dans ma mangathèque et qui ne demandent pas autre chose que d'être complétées, voilà. Et première résolution de cette année 2024, on va essayer de moins se précipiter sur les nouveautés et d'aller acheter tout le temps des nouveautés là par-ci, par-là, que ce soit des nouveautés qui sortent en 2024 ou des mangas qui me donnent envie, voilà, et qui sont dans mes listes un peu d'envie. Et donc du coup, si j'essaye de moins me précipiter sur ces nouveautés, c'est dans le but de pouvoir compléter les suites, enfin les séries qui sont dans ma mangathèque. Voilà, j'ai un peu fait la liste des mangas sur lesquels je veux me concentrer cette année en 2024. Et vraiment, mes trois priorités cette année, c'est Chainsaw Man,
même si c'est pas terminé. Mais déjà, Chainsaw Man, je l'ai dit là, dans une vidéo Achat Manga que j'aimais vraiment beaucoup Chainsaw Man. Et plus je lisais les tomes, plus j'adorais ce que je lisais, j'adorais l'œuvre. Et j'ai envie d'être vraiment à jour dans Chainsaw Man cette année. Je sais que la série n'est pas encore finie, mais je veux rattraper vraiment mon retard voilà, en 2024. Et là, on a deux mangas qui sont finis, voilà, et qui sont dans le Mangatech et qui... Bah, faudrait que je les termine, quoi. Premier, c'est Platinum End. Au bout d'un moment, il s'agira de terminer Platinum End. J'ai réussi à finir Death Note. Là, il est temps de finir Platinum End, s'il vous plaît. C'est une série qui est en 14 tomes et je n'ai pas tous les tomes. C'est pas possible, fils là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, quand même. Donc, du coup, cette année, on a dit, on finit Platinum End. Genre, vraiment, là, c'est pas genre, oui, je vais finir. Non, je finis pour de vrai Platinum End. Voilà. Et autre priorité que je me suis mise, c'est le bateau de Thésée. Manga en 10 tomes. J'ai énormément apprécié les 4 premiers tomes qui sont dans ma Mangatech. Je veux finir je veux finir le bateau de Thésée aussi. Donc voilà, c'est vraiment mes trois priorités de l'année. Et ensuite, j'ai mis d'autres mangas sur lesquels je veux aussi me concentrer. Donc on a Oshinoko, qui pareil est un manga qui n'est pas terminé. Mais je veux être. Je veux un peu rattraper mon retard. Et là, franchement, il ne manque pas beaucoup de tomes pour être vraiment à jour. Vous le verrez certainement dans ma vidéo achat manga. J'ai acheté des tomes de Oshinoko. Et je me rapproche petit à petit de la totalité de ce qu'on a en France. Donc, Oshinoko, priorité derrière mes trois qui sont Chainsaw Man, Platinum End et le bateau de Thésée. Ensuite, j'ai mis entre parenthèses parce que, oui, j'ai envie de reprendre ce manga, mais c'est pas non plus un manga que je mets un peu dans mes priorités. Donc, j'ai vraiment mis entre parenthèses, c'est Blue Period parce que j'avais bien aimé les deux premiers tomes. Et je sais que l'anime est sur Netflix. Donc, après, je serais bien tentée d'aller voir l'anime. Sur Netflix, mais bon, voilà, j'ai mis un peu entre parenthèses et c'est pas le seul que j'ai mis entre parenthèses puisque j'ai mis aussi Chocolat et Vanilla qui est en 8 tomes et j'ai les 3 tomes donc en vrai, je me dis 8 tomes, bon, c'est 5 tomes quoi, ça va assez vite quoi. Et j'ai mis aussi Sailor Moon qui, si je ne dis pas de bêtises, est aussi en 8 tomes et là, j'ai les 2 tomes. Alors, franchement, je vous avoue que Sailor Moon, c'est vraiment pas de ma faute si je suis pas à jour, c'est parce que en fait, à chaque fois que je voulais acheter le tome 3, bah je le trouvais pas. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il y a avec Sailor Moon, mais à chaque fois que je voulais acheter Sailor Moon et que je voulais acheter le tome 3, je trouvais pas. Donc bon, j'ai mis entre parenthèses parce que c'est pas forcément mes grosses priorités de l'année, mais bon, en vrai, je me dis bon, voilà, pourquoi pas. J'ai mis Cardcaptor Sakura Clear Card Arc parce que j'ai vu, enfin, j'ai vu. J'ai fait quand même un article dessus aussi pour mon média. Clear Card Arc va se terminer normalement cette année au Japon, si ce n'est pas déjà terminé, avec 15 ou 16 tomes. Et je sais qu'en France, on n'est pas très loin du Japon. On est vraiment, vraiment, on n'est pas très loin d'avoir un tome de décalage à chaque fois. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je termine. Il fallait que je termine tout simplement Cardcaptor Sakura Clear Card Arc quand même. Quand même. Ensuite, dernier manga où je me suis dit que je voulais rester focus. Après, ça c'est pas comment dire, c'est pas étonnant puisque c'est pas étonnant tout simplement. En fait, c'est pas vraiment. Enfin, je veux rester focus, mais je me suis donné aussi un autre objectif. Donc, c'est One Piece et je me suis donné pour objectif d'avoir avant fin 2024 50 tomes. Je vais essayer. Je sais pas si je vais réussir, mais ça serait bien que je soit au 50e tome avant la fin de 2024, hein, voilà. Il y a quand même 106 tomes, donc j'arriverai jamais au 106e tome, voilà. Donc je me suis dit 50 tomes, voilà. Aussi, autre chose, c'est que je me suis dit qu'en 2024, j'ai envie de me concentrer sur... Enfin, c'est pas me concentrer, mais j'ai envie de lire plus de scans. Donc du coup, là, je vais me prendre un abonnement Mangaio. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tous les mangas qui sont disponibles sur Mangaio, que je peux lire en scan. Déjà, je sais qu'il y a des mangas de ma Mangatech qui vont bouger, parce que je sais que c'est en scan sur Manga.io, par exemple Undead Luck. Je sais pertinemment que ça va me prendre du temps d'arriver jusqu'au tome 15, et que même si, même le jour où j'arriverai au tome 15, je sais qu'il y aura d'autres tomes qui seront sortis. Donc je me suis dit, autant lire directement en scan sur Mangaio, je vais pas me prendre la tête. Donc voilà. Si je vois par exemple un manga qui m'attire, que j'ai envie de lire, je vais aller vérifier tout de suite sur Mangaio s'il n'est pas en scan plutôt que de l'acheter. Déjà, ça me permet de gagner de la place dans ma Mangatech parce que j'ai une Mangatech, oui, mais elle a ses limites elle aussi. Donc bon. Autre chose aussi, alors,
Mon père et mon frère ont aussi des mangas et ils n'ont pas les mêmes mangas que moi, ce qui est entre guillemets logique, j'ai envie de vous dire. Et il y a pas mal de mangas qu'ils ont que j'ai envie de lire et je me suis dit qu'en 2024, j'allais mettre des priorités. Voilà, sur certains mangas qui sont dans leur mangadeck et que je veux lire. Par exemple, du côté de mon frère, on a TPN, The Promised Neverland, 20 tomes. Ça fait. J'avais lu les 5 premiers tomes que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. C'était une amie qui me les prêtait quand j'étais en première. Et en fait, elle n'avait pas la suite. Donc, du coup, j'avais un peu attendu. Et mon frère, lui, par derrière, avait commencé à acheter les TPN. Et je ne me suis jamais replongée dedans. Donc, je veux vraiment lire en 2024 TPN. Je sais que tous les tomes sont là. Donc, c'est l'occasion pour moi de les lire. Ensuite, en vrai, il y a Emacha aussi, que mon frère a. Il est à jour par rapport à ce qui sort en France. Par rapport ouais, à la parution en France, il est à jour. Il a tous les tomes, même celui qui est sorti là, là. Le 1er février. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas. Et Macha, entre parenthèses. Voilà. Mais en tout cas, je sais que l'anime, je vais le reprendre par contre. L'anime, je vais le reprendre. Ça, c'est pas des lol. Du côté de mon père, on a Naruto, l'édition Hokage. Parce que lui, il a les tomes de l'édition Hokage. Et je me dis que ça sera peut-être plus simple pour moi. Et plus rapide pour moi aussi de lire Naruto, l'édition Hokage. Donc voilà. Parce que sachant que cette édition-là va être complète en 36 tomes, si je dis pas de bêtises. Donc ça sera peut-être plus simple pour moi de lire directement l'édition Hokage. Ensuite, ça c'est vraiment un manga qui me faisait de... Enfin, qui me fait toujours de l'œil et je sais qu'il faut absolument que je le commence. C'est Sakamoto Days. Pareil, mon père a tous les tomes, si je dis pas de bêtises. Donc je veux absolument lire Sakamoto Days. J'en entends beaucoup parler, j'entends beaucoup de bien sur cette œuvre. Je veux lire Sakamoto Days, moi aussi. Ensuite, on a Kaiju numéro 8. Alors Kaiju numéro 8, j'ai déjà commencé. Je sais plus trop combien de tomes il me reste. Là, je crois que peut-être il me manque. Enfin, peut-être je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes que j'ai pas lus. Et ensuite, je serai à jour, normalement. À voir. Voilà. Mais bon, en vrai, ça va. Kaiju numéro 8, j'ai pas beaucoup de tomes à lire. Et ensuite, on a Tokyo Revengers. Pareil, mon père est toujours à jour dans Tokyo Revengers. Donc là, j'en ai déjà lu 6. Le but, c'est d'être à jour aussi dans Tokyo Revengers. Donc voilà. Bon, eh bien c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire votre petite rétrospective, vous aussi de votre côté, à me dire un peu c'est quoi votre top 3 des mangas que vous avez le plus acheté, lu cette année, votre auteur favori. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner, surtout si ça vous a plu. Voilà. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.